environnementale de l'usine du Nord va consolider sa structure en favorisant une participation active de la société civile et coutumière dans le domaine d'une protection et d'une valorisation environnementale élargie. Élargie est important. À cet effet, sera créée une structure associative intitulée Environnord, qui aura pour objet de favoriser l'émancipation des populations dans un domaine parfois délaissé, celui de la prise en compte de la protection et de la gestion environnementale. C'est délaissé du fait de facteurs déstabilisants issus de la mondialisation. On s'est aperçu que le grand projet a quand même bouleversé les choses. Et les gens se sont beaucoup investis dans le domaine économique, bien évidemment. Parce que quand vous regardez le fric, il a profité à qui depuis la nuit du temps en Calédonie? Pour la première fois, les tribus vont être invitées à participer économiquement. Elles ne vont pas rester à la traîne, elles sont là. Elles veulent s'insérer, mais par contre, ça crée des déséquilibres. C'est pour ça que je dis des déséquilibres du fait des facteurs déstabilisants ici de la mondialisation. Hein, c'est les grands projets industriels. À cet effet, le volet formation et intégration progressive de cadres en sera l'axe majeur pour l'acquisition d'une expertise et un savoir-faire. Expertise, savoir-faire technique, scientifique. Indispensable à la protection et à la valorisation d'une biodiversité unique au monde et au maintien d'une diversité culturelle, berceau du destin commun des pays en construction. Le vice-président Seguin, le secrétaire général. Alors, que va faire Élodie? Elle a préparé un papier. Tu as préparé un papier pour la signature des membres du conseil d'administration? Peut-être pas comme ça, comme j'avais dit. Parce qu'on ne veut pas tarder avec les signatures pour vous déposer vite fait à la subdivision. On aura tous les gens à signer. Tous les gens du conseil d'administration de l'administration, ils vont rentrer chez eux. Donc, il est facile d'aller les chercher ou alors on va faire le tour d'un. Il faut prendre les numéros de téléphone des membres du conseil d'administration, puis on va faire le tour des maisons. Il faut prendre les numéros de téléphone des membres du conseil d'administration, et puis on va remettre la signature en fin de semaine ou lundi. Parce que, en principe, on va. On fait un papier qui va désigner les membres du conseil d'administration, signature, les membres du bureau signature, et puis ce sont les papiers officiels, ça. On aura toutes les signatures. Après, pour la présentation du conseil verbal, c'est le président.